Ça faisait longtemps que je n'avais pas chopé de figurines sur Toleba, l'application UFO Catcher japonais, voilà, gratuit, gratuit, petit ticket, boum, ça tombe, ça fait plaisir. Bref, on va se décortiquer tout ça ensemble. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et oui, elle est là, voilà, de la fèche, de Goku, voilà. Carton à la poubelle, ma gueule. Le Goku qui envoie du steak, qui envoie du lourd, qui a l'air de tout déchirer. De la fesse, mon ami, la fesse de Goku. Marty, tu bouffes le cul de Goku? Toujours! 13 mai 2021, c'est sorti dans tout l'archipel, dans les Game Center, les UFO Catcher, vous mettez les pieds, vous essayez de la choper. Et la gamme Fest a fait un retour monumental un peu à droite à gauche. Ça fait plaisir de revoir du Goku. C'est quoi ce visage? Je tiens à le rappeler, c'est une gamme qui se focalise principalement sur le héros de Dragon Ball, à savoir Son Goku. On l'a sous diverses facettes, diverses transformations, différentes époques. Et c'est Monsieur Nakazawa qui se charge de sculpter notre héros. Ben voilà, regardez, tout ça, il y a tout ça. C'est lui qui se charge, voilà, de cette série-là. Notez que les transformations, pas les transformations, les fusions sont comprises, puisque Goku fait partie aussi de cette fusion avec Vegeta, Végétaux, etc. Donc, figurine, on va passer au gros plan, ma gueule. Regarde-moi ça, figurine plutôt plaisante. La pose, on est dans du, j'ai envie de te dire, années 90. Je trouve que Nakazawa, quand même, un coup de cutter, un coup de sculpte très DBZ, mais vraiment typé DBZ. Par moment, il a du mal avec Dragon Ball Super et les traits font très DBZ au niveau des figurines, mais le résultat est quand même assez plaisant. Donc Goku en mode vénère, on a déjà eu ce Goku là de la gamme Sculptures, mais là on part sur quelque chose qui tire un peu plus vers le manga. Voilà, mais on va en parler juste après. Vous avez du coup les différents personnages. Les différents Goku principalement, le Goku potelé, typé années 80, le Goku un peu plus récent, typé fin 90, hein, design plus récent de Toriyama, deux versions de figurines de Végétaux, du coup en Super Saiyan, God Super Saiyan, le Goku en mode vénère face à Vegeta, et puis là on l'a de la tête aux pieds, Banpresto, Bandai Space qui distribue la bête, Dragon Ball Super à la licence. Je vous ai donné toutes les informations qu'il fallait prendre en compte. Je prends mon petit cutter et je vais enchaîner sur un deuxième ensemble. Attends, je vais me positionner et on découvre ce nouveau joujou du jour ensemble. Carton de protection pour ne pas changer. Hop là, figurine emboîtée, à monter, il y a quoi? Alors je l'avais vu dans un Game Center, je l'avais trouvé plutôt joli, mais là, avec mon environnement, mes propres lumières, et pas ce côté flashy qui t'en met plein la gueule, je trouve que ça a de la gueule, voilà. Putain, rien que le fait de voir les textures et tout, les couleurs, c'est bien travaillé, c'est super bien travaillé. Hop là! Support transparent, bon, on a une, deux, trois pièces. Support transparent, il n'est pas... Je trouve ça plutôt plaisant, je sais pas, le petit côté ovale, pas trop imposant parce que le personnage de base, il est allongé. C'est plutôt cool, je trouve. On a ensuite le bas, on a ensuite le haut, et on va découvrir ensemble, ce sera le troisième, ensemble. Regardez, le visage, alors je ne vais pas faire des bêtises, on va couper ça sereinement. Il est où le petit scotch qui maintient tout ça? Voilà, il veut pas, il est là, la base est là. Hop, découvrons, 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 découvrons. Magnifique, il est magnifique, il est magnifique. Je suis très fan du modèle qui était sorti il y a un petit moment, le côté la gamme Sculptures. Petit moment, hein, ça date. Hein. Mais là, Nakazawa, vieux, bravo. D'habitude, t'es plus coup de scalpel tiré animé DBZ, mais là, t'as fait un travail, mon gars. Plus on avance dans le temps, plus tu deviens bon, gars. Attention, Varrock, attention, hein. Nakazawa revient tout doucement dans la course et il le prouve avec cette figurine qui est juste incroyable. On a une pose qui est inspirée du manga d'Akira Toriyama. C'est pour ça que je la trouve incroyable. Il a pris la page d'Akira Toriyama, le manga, il a fait, tiens, je vais faire exactement la même gueule. Mais vraiment, la même position au niveau des cheveux, le même délire, le même... Regardez, même au niveau des contours, au niveau des joues,
on a ce côté un peu carré à la Toriyama. C'est propre, super propre, bravo, putain de merde, magnifique, j'adore, vraiment j'adore, hein. Je suis totalement sous le charme. Donc, modélisation incroyable qui s'inspire du manga, on a une pose ultra dynamique, genre je me prépare, je vais défoncer Vegeta, je vais te défoncer, et là on a encore le parti pris manga, ici la tranche de l'espace, hein, mais par contre plutôt bien modélisé, on a les pliures qui se fondent du coup avec cette tranche en plein milieu, rien à dire, magnifique. Lobby, donc la petite ceinture qui virevolte tout doucement au niveau de la cuisse, magnifique. Le bras, mammouthesque, du muscle en veux-tu en voilà, la main, magnifique, superbe, très bien détaillé, j'ai rien à dire. Regardez la pomme, même la pomme de la main, on sent le poing serré, on sent que là il va en découdre le Goku. On sent qu'il va en découdre. Regardez-moi cette main, regardez-moi ces doigts crispés, regardez-moi cette... c'est beau, que j'aime. Que j'aime quand c'est bien travaillé, que j'aime quand c'est fidèle au manga, que j'aime tout ça. Et pourtant c'est du Goku, il en bouffe un milliard à toutes les sauces. Bref, on a le dos qui est également travaillé, le signe de Goku posé directement sur les vêtements, même sur le devant, le petit camé qui va bien, magnifique. Légèrement déformé puisque c'est dans la continuité de la pliure. Rien à dire, ça envoie du steak. Ça envoie du steak. Franchement, et par contre le t-shirt, c'est une pièce à part. C'est une pièce à part, tant mieux, tant mieux. J'aime pas quand c'est collé, quand c'est en un seul bloc et qu'il fout de la peinture et que ça déborde. Tant mieux, les pièces à part, ça permet justement d'avoir un rendu propre, net au niveau des couleurs. On va parler des couleurs. On va commencer tout doucement avec les textures. Les textures, on a du mat absolument partout, sauf sur quelques points précis, à savoir au niveau des poignets. Ici, c'est légèrement brillant, là et là. Et le t-shirt. Pour le reste, et le hobby un petit peu, et pour le reste, on a vraiment du mat. Magnifique. Les pantoufles sont hyper bien modélisées, j'en ai pas parlé, mais ça, j'ai rien à... C'est toujours la même merde, hein. C'est incroyable. Petite pliure, petite cordelette, pantoufles de l'espace, magnifique. Du mat partout, et par contre, regardez les couleurs. Les couleurs, propres, super propres. On a un orange légèrement, on va dire terne, sur le milieu, puis on part sur un orange comme le fruit, bien prononcé sur les côtés, bien, c'est bien géré. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Attendez, je vais avec la lumière. Voilà, c'est peut-être un peu mieux au niveau des couleurs, vous pouvez voir, je pense. Superbe, superbe. Même chose au niveau du haut. La peau du mat, et regardez au niveau des contours, au niveau des muscles, voilà ce côté prononcé, puis on tire vers quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus clair, magnifique. Même chose au niveau des mains, hein, le poing serré au niveau des doigts, ce côté foncé, ça c'est magnifique, putain. Même chose au niveau de la joue et le regard, mais regarde-moi ça, ce regard, et les cheveux dans le vent, dans le move, dans l'esprit de Toriyama, hein, si tu la positionnes comme ça, c'est pas dérangeant, il a réussi à faire un travail excellent, un excellent travail pour avoir un rendu vraiment fidèle à la page du papier, du manga. Qu'est-ce que tu veux de plus? Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Au bout d'un moment, je ne peux même plus argumenter. C'est parce que au final, t'as la pièce qui est là, qui déboule, et du Goku, je suis désolé, la sculpture, j'ai beau l'aimer, va finir à la vente, et je vais garder celle-ci. Je suis obligé de remplacer au bout d'un moment, on ne peut plus suivre des Goku, il y en a tellement, mais si avec le temps, on nous sort des Goku travaillés de postes qu'on a déjà vus, moi je dis oui, il n'y a pas de souci. Moi, il nous manque un Vegeta. Quand ils veulent, le Vegeta avec sa pose, machin, c'est quand ils veulent. Moi, je le veux, ce putain de Vegeta. Donc, je vais le mettre sur son support. Est-ce qu'elle tient debout toute seule? Tiens. Non. Elle tombe vers l'avant, il y a quand même un petit poids. T'es obligé de mettre le support. Support, d'habitude, je crache souvent ce genre de support transparent, etc. Mais là, le côté ovale qui suit un peu la longévité, hop là, de la pose de Goku. Par contre, très difficile à emboîter, là. Qu'est-ce qu'il y a? Faut tordre un peu la jambe. Non, ça ne rentre pas. C'est taré. Je vais d'abord commencer par là. Ah, c'est fou. Il y a un défaut. C'est pas possible. Il y a un défaut. Ah là 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 là. Faut tordre la cuisse. Ça ne rentre pas. Donc voilà, faut juste forcer un petit peu.
Et puis une fois emboîté, ça ne bouge absolument plus, mais vraiment. Donc, niveau hauteur, on est dans quoi là? Avec la main, on est dans du 16 cm. C'est plus la longueur, on est dans quelque chose de beaucoup plus grand. On est dans du 19-20 cm. Et puis sur le devant, hop là, on est dans du 10 cm. Mais juste, regarde cette pose comme ça. Oh là 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 là. Admire, admire. N'est-elle pas magnifique? Bien évidemment qu'elle est magnifique. Elle est incroyable, elle est superbe, ma gueule. Ça reste à la maison. Tu restes à la maison. Merci Nakazawa. Franchement, je suis extrêmement fan. Il y a quand même une petite jointure au niveau de la mèche, mais elle passe inaperçue. C'est pour ça que je viens de la capter. Je viens tout juste de la capter. Il fallait que je m'approche vraiment pour dire « Ah, il y a une jointure !» Donc, il n'y a pas de jointure au niveau du crâne. Tant mieux. C'est hyper bien travaillé. C'est hyper bien modélisé. Les couleurs sont pétantes. Ça déchire. Extrêmement fan, encore une fois, merci Nakazawa. Si vous la recherchez, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, mais j'aime bien le placer, le petit poteau, il est toujours là dans les environs. 19,90€, Japan D World, je vous mets le lien dans les commentaires. Voilà, faites-vous plaisir. Moi, content de la posséder. Et puis voilà, maintenant Bandai. Vegeta, s'il vous plaît. Vegeta, Vegeta, voilà, rien d'autre à dire. Voilà, j'espère que ce petit déballage jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!